Salam alaikum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue, marhaba bik, dans cette Darija Story de la seconde semaine du mois de décembre. Aujourd'hui, on va apprendre 5 mots, 5 noms d'ustensiles qu'on utilise pour manger, donc 5 mots en arabe marocain. Alors tout d'abord, le premier mot, c'est tabsil. Tabsil, tabsil, c'est-à-dire l'assiette, l'assiette. Tabsil, au pluriel, ça donne tabasil. Tabasil, tabasil. Et la petite phrase qui accompagne, c'est tabsil, tabsil, biad. Tabsil, biad, c'est-à-dire une assiette blanche. Ensuite, le second mot, c'est l'mousse. L'mousse, l'mousse, c'est-à-dire le couteau, l'mousse. Et au pluriel, ça donne l'mouess. L'mouess, l'mouess. La petite phrase qui va avec, c'est l'mous mardi. L'mous mardi. L'mous mardi, c'est-à-dire le couteau est aiguisé. Ensuite, le troisième mot, c'est l'ma'alqa. L'ma'alqa, l'ma'alqa, c'est-à-dire la cuillère. Certains disent aussi l'ashq, l'ashq. L'ashq. Donc moi j'utilise plutôt l'ma'alqa et au pluriel ça donne l'ma'alq. 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 La petite phrase qui accompagne ce mot c'est l'ma'alqa sghira. L'ma'alqa sghira. L'ma'alqa sghira, c'est-à-dire la petite cuillère. Ensuite, le quatrième mot. L'fourchita. L'fourchita, l'fourchita, c'est-à-dire la fourchette. En au pluriel, ça donne l'frachet. L'frachet ou bien l'fourchetat. L'fourchetat, mais moi j'entends souvent l'frachet. Donc l'fourchita, la fourchette. Alors je sais que dans certains endroits au Maroc, ils disent un autre mot, mais ici à Rabat, c'est ce que j'entends le plus, l'fourchetta. Et la petite phrase qui accompagne ce mot, c'est Kannakul bilfourchetta. Kannakul bilfourchetta, kannakul bilfourchetta, c'est-à-dire je mange avec la fourchette. Je mange avec la fourchette. Et enfin, le cinquième et le dernier mot, c'est l'caisse. L'caisse, l'caisse, c'est-à-dire le verre. Le verre, l'caisse. Au pluriel, ça donne l'kissen. L'kissen, kissen, donc les verres. Et la petite phrase qui accompagne ce dernier mot, c'est l'kess amr. L'kess amr. L'kess amr, c'est-à-dire le verre est plein. Donc je répète, les 5 mots de cette Darija Story sont tabsil, l'assiette, l'mousse, le couteau, l'ma'alqa, l'ashq, la cuillère, l'fourchetta, la fourchette, et l'kess, le verre. Et la semaine prochaine, on verra ensemble 5 noms de meubles de la maison. Bon, bah, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Darija Story. En attendant, prends bien soin de toi. Slama, bye bye!